Alors voilà où je me trouve actuellement depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que je suis à Kanchanaburi. Donc voilà, tous les matins quand je me réveille, bah, j'ai ça comme vue. Enfin, là il est 5h30 du soir. Donc voilà, c'est mes petits voisins. Donc Kanchanaburi, la fameuse ville où se trouve le pont de la rivière Kwai. Normalement je vais le voir aujourd'hui faire du canoë kayak, faire ça toute la journée. Mais bon, un petit peu feignante, j'ai rien fait aujourd'hui. Relax, pépère. J'ai mangé avec des amis. Donc voilà. Donc il y en a qui font du rapide. Voilà. Marie est partie ce matin. Alors maintenant, bah, j'ai la chambre qui est pour moi toute seule. Voilà. Donc le lit double avec la grosse moustiquaire qui est juste là. Mes petites toilettes. Alors je vais vous montrer ma machine à laver. Alors je crois que ma machine à laver, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voilà. Ma machine à laver. Voilà. Alors je fais de la pub à man en même temps. Hein. Je fous les fringues là-dedans, de l'eau. L'espèce de lessive que j'ai acheté. Et voilà ma machine à laver. Ça sert pas mal. Toujours gérer les petits sacs avec les trous, ça c'est un peu chiant. Mais bon voilà, ça c'est voilà mon petit ce que j'ai lavé ce matin. On va faire un petit tour maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, on va faire un petit tour. Ah voilà, ça c'est mon petit bungalow là-bas. Hop, tout en haut, ici. Ça c'est le resto. Voilà, j'ai pas encore mangé ici parce que ça coûte vachement moins cher. À 200-300 mètres. Donc voilà, on descend. Et donc on a la rivière en face de nous. Alors on peut dormir comme ça s'appelle des raft house. Les raft house, c'est que vous pouvez dormir. Alors ça c'est plutôt maison sur pilotis, ils appellent ça des raft house, mais plutôt des maisons sur pilotis. Les mecs ont le canoë kayak. On peut bien jouer, il y a l'air des petits bouquins. Hein. Bon, je pense que là à 6h, 7h, ça va être infesté de moustiques. Voilà, petites offrandes. Et voilà, il y en a le matin qui se réveille avec ça comme vue. Alors la chambre, je la paye pas cher, hein, 150 bahts. 150 bahts, ça fait peut-être, je sais pas, 2,50 €. Tout ça. 100 bahts, ça fait 2 €. Ouais, donc 2,50 €, un truc comme ça, bref. Donc comme je disais, Marie était avec moi ce matin, on est resté 2 jours ensemble. Donc voilà, elle est partie ce matin pour aller un peu plus loin, continuer l'aventure. Elle a qu'une semaine, donc moi j'ai un peu plus de temps. Donc voilà. Ah puis il y a des petits lotus aussi par là, c'est magnifique. Et voilà, wam. Voilà, c'est Yena qui me demandait, voilà, qu'est-ce que je vois. Bah voilà, je vois ça en ce moment. Et j'enjoye pas mal, hein, j'avoue.